Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, le Châtillonnais est encore une région relativement préservée. Son vaste couvert forestier, la richesse de sa faune et de sa flore en sont de précieux témoignages. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la cigogne noire a choisi de s'y installer. Disparu de notre pays au début du siècle suite à la déforestation et aux persécutions dont elle fut l'objet, la cigogne noire réapparaît doucement dans le ciel de notre région. D'une incroyable discrétion sur les sites de nidification, elle peut facilement passer inaperçue dans une région où la forêt est encore majoritaire. Et ce n'est qu'en 1992 que le premier nid châtillonnais fut découvert. Au contraire de sa cousine qui ne dédaigne pas la compagnie de l'homme, la cigogne noire préfère la quiétude des grands massifs forestiers entrecoupés de ruisseaux et de rivières. C'est au mois de mars, de retour d'Afrique où elle passe ses quartiers d'hiver, que la cigogne noire revient pondre dans nos forêts. Le couple, fidèle au site depuis maintenant 3 ans, restaure le nid chaque année. La femelle y pond de 3 à 5 œufs couvés à tour de rôle par les deux adultes pendant environ 34 jours. Et cette année, c'est vers le 16 mai que 4 poussins en duvet blanc font leur apparition au milieu du nid.
Le nid est une imposante plateforme de branchages garnis de mousse. Situé au cœur de la forêt, il repose sur la branche basse d'un gros chêne à une dizaine de mètres de hauteur. Il est de plus décalé par rapport au tronc pour permettre un accès facile à cet oiseau de grande envergure. Dans la forêt châtillonnaise, on peut admirer de nombreuses espèces d'orchidées. La plus impressionnante est sans nul doute le sabot de Vénus, qui bénéficie d'une protection sur tout le territoire. Au mois de mai, il n'est pas rare de croiser la route d'un renard parti en chasse pour nourrir ses petits encore tapis au fond du terrier. Le renard est accusé de bien des maux, mais les quelques méfaits commis ne doivent pas faire oublier qu'il est un grand consommateur de petits rongeurs, de campagnols et autres nuisibles. Il est de ce fait un allié précieux pour l'agriculture et un maillon important dans la chaîne alimentaire. Les jeunes, âgés d'une vingtaine de jours, sont couverts d'un épais duvet blanc. À ce stade,
les nourrissages sont encore peu nombreux. Et pendant les 3 premières semaines, les poussins restent sous la garde vigilante d'un adulte, à l'abri du soleil et d'éventuels prédateurs. Une semaine s'est écoulée. Les jeunes cigognes au bec et pattes jaunes sont maintenant seules au nid et la sieste occupe une grande partie de la journée. Le séjour au nid se passe dans le plus grand silence, mais que se dessine la silhouette d'un adulte, et aussitôt les cigognos se mettent à piailler d'impatience.
La cigogne noire est un oiseau extrêmement farouche, et la moindre présence suspecte suffit à provoquer son envol. De même, aux alentours du nid, le moindre dérangement peut provoquer son abandon ou l'envol prématuré des jeunes.